parler d'un livre qui s'appelle Le signe de K1, protocole de Nod. C'est le premier tome. C'est un livre de Claire Gracias. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui vit en deux. Il vit au 14e siècle, au 24e siècle, c'est-à-dire dans 300 ans en fait. Et en fait, la Terre, il y a des déluges, donc il y a une montée des eaux, et donc il n'y a plus d'endroit où vivre. Et en fait, son père travaille sur un projet top secret qui permettra en fait à lui et 60 autres personnes de revenir dans le passé pour commencer en 2020. Pour préparer le terrain à la colonisation des gens qui viennent du futur en fait. Et donc lui en fait on va lui effacer sa mémoire, on va effacer la mémoire de toutes les familles à part des pères qui participaient au projet en premier. Et en fait lui peu à peu il va se rappeler de certaines choses et puis il va rencontrer cette jeune fille Pauline qui a un frère jumeau qui s'appelle Angelo. Et en fait, lui, c'est un X-case, c'est-à-dire qu'il a des pouvoirs paranormaux. Et il y a de plus en plus de personnes qui présentent ses affinités et qui sont donc mises en quarantaine, en quelque sorte. Ce livre, il est franchement génial, il tient en haleine, il est bien écrit. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je le conseille à tout le monde. Il est écrit... Il est très clair, il est précis et il est assez. Enfin, il est. Oui, franchement, les personnages sont bien présentés, j'ai beaucoup aimé.